La bande-annonce de Lady Diama est enfin disponible et beaucoup d'entre vous sont perdus. Certains trouvent que c'est mélangé, vous n'avez rien compris. Pas de soucis les gars, relax, chill, ok? Parce que dans cette vidéo, je vais vous expliquer cette bande-annonce, je vais vous expliquer tout ce qui nous attend dans cette nouvelle série. C'est parti! Déjà, n'hésite pas à t'abonner si tu aimes ce genre de contenu, si tu adores les séries ou films africains, parce que ici on parle que de ça, on fait des revues et des analyses de séries africaines. On est tous ravis de revoir Diarra Toussou devant nos écrans dans ce rôle principal qu'elle va assurer. Il n'y a pas de doute sur ce coup-là, ça fait un moment qu'on attendait son retour. Et avec cette série, on est bien servi. Allez, c'est parti pour l'interprétation de cette bande-annonce. Voici l'histoire qu'elle raconte. D'après moi, hein, c'est mon interprétation. Ok les gars, et n'hésitez pas à me donner votre point de vue dans les commentaires. Diama est une jolie jeune femme lorsqu'elle rencontre le grand Aladji, un homme respecté et vénéré de tous. Lui qui n'est pas facilement approchable, qui ne se laisse pas facilement impressionner, tombe tout de suite sur le charme de Diama lorsqu'il la voit pour la première fois. En tant qu'homme religieux, bien sûr, il ne perd pas de temps à Aladji. Il décide de la prendre pour épouse. Pour le grand bonheur des parents de Diama, qui ne refusent rien au grand Aladji. Eux, comme tous les gens du pays, respectent beaucoup Aladji, le vénèrent aussi. Et puis, pour les parents, ce mariage, c'est comme une occasion en or de s'enrichir, de devenir des gens influents dans la société. Attends, c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir une fille qui tape dans l'œil du Aladji quand même, hein? Ça se voit que les parents, ils sont un peu matérialistes sur les bords. C'est aussi l'occasion d'enfin célébrer un mariage dans leur famille. L'une de leurs trois filles va enfin pouvoir se marier. Oui, parce que d'après cette bande-annonce, on dirait que Diama a deux autres sœurs. Une grande sœur, pas encore mariée, qui vit sa vie, et une petite sœur, qui elle aussi ne pense pas du tout au mariage en ce moment. Mais la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que Diama est venue chercher chez Aladji à la base? Pourquoi est-ce qu'elle est venue? Est-ce que ce sont ses parents qui l'ont envoyée? Est-ce qu'elle est venue juste pour qu'il prie pour elle, pour qu'elle puisse se trouver un mari ou pour autre chose? On remarque qu'il l'impressionne la première fois. Elle baisse les yeux, elle n'ose même pas le regarder. C'est pas l'amour tout de suite, hein, c'est pas le coup de foudre. On dirait même qu'elle accepte ce mariage par admiration plus qu'autre chose. Hein. Elle se marie avec Aladji, surtout pour faire plaisir à ses parents et pas parce qu'elle est amoureuse de lui. Lorsqu'elle arrive chez lui, elle est habillée en noir. Ce qui pourrait symboliser qu'elle représentait la faiblesse d'Aladji. Hein. Pas forcément quelque chose de positif, quoi. Une femme mystérieuse, remplie de secrets peut-être. En tout cas, il est clair qu'elle connaîtra tous les petits secret intime de Aladji. Cet homme qui est respecté dehors, personne ne lui refuse rien, mais dans l'intimité, c'est autre chose. Par exemple, Aladji n'arrive pas à remplir son devoir conjugal auprès de Diama, mais également auprès de la coépouse de Diama, parce que oui, on dirait qu'Aladji avait une première femme avant de prendre Diama pour épouse. Diama qui est devenue Lady Diama en épousant cet homme. Elle a pris le titre de Lady, un titre un peu de noblesse, quoi. Aladji n'arrive pas à satisfaire ses femmes. Et malgré tous les efforts de ces dernières, hein, on voit que la première, voilà, elle est très séductrice, elle a tout l'attirail de séduction. Mais malgré tout, ça ne se passe pas très bien in the bedroom. Donc, c'est quoi le souci là, Aladji, hein? Est-ce qu'il y a des forces obscures là-dedans? Parce que Diama, elle a un enfant pourtant, qui n'a pas l'air d'être celui d'Aladji, hein. Parce que lorsqu'on regarde cette scène, quand Diama réprimande sa petite sœur, on dirait que la petite sœur était sur le point de dire que non, mais je vais pas suivre tes pas, je vais pas finir comme toi à avoir un enfant hors mariage. Un truc comme ça. Avoir des propos assez insultants, d'où la gifle qu'elle se prend. Hein, on verra par la suite, lorsque la série va commencer, si ce petit garçon est celui que Diama a eu avec Aladji, ou bien celui de la première épouse, ou probablement un enfant qu'elle a eu en dehors de son mariage avec Aladji. En tout cas, le mariage ne se passe pas du tout bien. Diama n'est pas heureuse. On imagine que ça ne doit pas être facile en plus d'être la femme d'un homme aussi puissant. Il y a toute la réputation qui va avec. Ça peut être un fardeau, quoi. En plus, on se demande si Aladji lui fait confiance. Hein. Pourquoi est-ce qu'ils ont déjà divorcé autant? Deux divorces? Comment? Mais c'est beaucoup. Est-ce que pendant ces deux divorces, Diama n'a pas rencontré quelqu'un d'autre? Et c'est à ce moment-là qu'elle a eu cet enfant? On verra bien. En tout cas, Diama et Aladji vont divorcer une troisième fois. Et cette fois, impossible de se remettre ensemble. Parce que dans l'islam, après trois divorces, tu ne peux plus te remarier ou te remettre avec la même personne
à moins que Diama se remarie et divorce avec un autre homme, à moins qu'elle rencontre quelqu'un d'autre, qu'elle se marie avec la personne et qu'elle finisse par divorcer. C'est seulement à ce moment-là qu'elle pourra se remarier avec le grand Aladji. Aladji a envie de la reconquérir, hein. Donc il trouve une solution. Il passe un accord avec Bass, un personnage qui sera clé dans cette série. Un homme qui est probablement un proche d'Aladji, hein. Quelqu'un qu'il considère comme la famille, quoi. Donc il demande à Bass de se marier légalement avec Diama pour ensuite divorcer et ainsi donner la possibilité à Aladji de se remarier avec Diama. Sauf que les choses ne se passent pas comme prévu. Ding, ding, ding. Musique de suspense. Bass finit par tomber amoureux et il ne veut pas divorcer. Les gars, il refuse de signer les papiers. Il prend ce mariage, cet accord-là, un peu trop au sérieux, on dirait. Tout le monde finit même par être au courant de cette histoire, hein, parce que l'histoire finit sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est pas bon, ni pour la réputation de Lady Diama, ni pour la réputation d'Aladji. Le pire, c'est que lorsqu'elle était mariée légalement, légalement, c'est le mot-clé, les gars, lorsqu'elle était mariée avec Bass, ils ont consommé le mariage. Donc, ça complique les choses. Et ça nous renvoie à ce sous-titre, hein, Lady Diama, la femme d'un autre, qui fait référence au fait qu'elle soit la femme légale de Bass et pourtant c'est Aladji, son véritable mari, au fait que lorsqu'elle décidera de se remettre avec Aladji, elle sera probablement encore liée à Bass, quoi, parce qu'il ne voudra pas la lâcher, il ne voudra pas signer les papiers du divorce. Mais franchement, j'ai envie de dire Aladji là, mais c'est bien fait pour toi. C'est quoi ce truc là, vous divorcez? On dirait qu'il divorce à tout bout de champ celui-là. Trois fois les gars, c'est trop. Si c'est de là ont déjà divorcé jusqu'à trois fois, c'est que it was not meant to be. Pourquoi est-ce qu'il ne se lâche pas? Pourquoi Diama continue de revenir dans ce foyer? Est-ce que c'est pour faire plaisir à ses parents? Est-ce que c'est pour son fils peut-être? Peut-être que pour préserver sa réputation, Aladji n'a pas envie qu'on sache que ce fils n'est pas de lui. Du coup, si elle part, elle ne peut pas partir avec lui. L'enfant est obligé de rester avec Aladji. Dans cette bande-annonce, en tout cas, on dirait que Diama, elle ne peut pas parler des problèmes qu'elle rencontre dans son mariage. Ce sont des choses dont elle ne peut pas parler avec tout le monde, hein. Comment expliquer que voilà, cet homme puissant que vous voyez est en fait incapable de la satisfaire? Ses parents ne vont pas vraiment comprendre, quoi. Raison pour laquelle elle décide d'aller voir un professionnel, on dirait, hein, comme un psy. Le fait qu'elle soit allongée sur ce canapé avec les yeux bandés, voilà, on dirait qu'elle décide de témoigner en anonyme, quoi, pour ne pas être reconnue comme elle est la femme d'un homme célèbre. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, voilà mon interprétation de cette bande-annonce. Bien évidemment, il y a des personnages secondaires qui se révéleront très très intéressants au cours de la série, comme la grande sœur de Diama, par qui tout le monde pense que Diama est influencée. Il y a aussi la petite sœur, l'actrice qui a joué le rôle de Bana dans Déchéance. Je suis vraiment contente de la revoir parce qu'elle assure, elle joue trop trop bien, j'adore son jeu d'actrice. Voilà, il y a cette grande sœur, cette petite sœur, et puis il y a Diama au milieu, qui subit aussi beaucoup de pression de la part de ses parents, mais également de la société. On a hâte de suivre son aventure dans cette nouvelle série Lady Diama qui débutera le 13 août. Dites-moi dans les commentaires si la bande-annonce et toute l'histoire à venir est un peu plus claire du coup après cette vidéo. Dites-moi si vous avez compris autre chose, n'hésitez pas, et je vous retrouve sans faute dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye.